Bouh, dis donc, la caméra, elle a encore fait n'importe quoi, elle a eu du mal à bien se mettre en place. Bon, j'ai monté le vlog, il est en train d'exporter. C'est cool, j'ai déposé les enfants à l'école, hein, accessoirement. On a toujours un temps pourri, mais on n'a pas de vent. Et il pleut pas. On croise les doigts pour que ça reste que comme ça. Là, j'ai m'affairé à ranger tout le linge de Maxence. J'ai lancé une machine de linge d'Amaury. J'ai rangé les deux, trois trucs qui traînent un peu là, du petit déjeuner sur la table. C'est pas grand-chose, mais à ranger quand même. Après, je vais faire mon petit ménage de la maison. Il faut que j'aille à... De toute façon, je vais faire les courses aujourd'hui. Et en même temps, il faut que j'aille à Leclerc. Je vais imprimer pour les cahiers d'école des enfants. J'ai voulu hier imprimer les petites photos pour raconter leurs vacances d'hiver, des deux dernières semaines qu'on a passées. Et mon imprimante bug, mais erreur, dit qu'il trouve pas de pilote. J'essaie de rechercher un pilote, de mise à jour de pilote, de quoi que ce soit, ça ne marche pas. Donc, j'en ai marre de chercher. Donc, j'allais imprimer ça à Leclerc, parce que je crois qu'il y a une imprimante là-bas. Et JB m'a dit, attends, je regarderai demain quand j'en ai du boulot, parce que moi, j'en pouvais plus de chercher. Donc, il m'a dit, je jetterai un coup d'œil. Mais elle est vieille et tout ça. Là, on a changé l'ordi. Pourquoi pas changer l'imprimante aussi? Essayer de trouver une imprimante Bluetooth aussi qui pourrait être bien. Ou Wi-Fi, je sais pas. Enfin, un truc qui pourrait être pratique à imprimer. Parce que notre nouvel ordi est quand même mieux. Il y a un Bluetooth dessus. Alors, si on pouvait ne plus avoir de fil entre l'imprimante, peut-être que ça pourrait être bien. Enfin. Ça, c'est juste une envie personnelle. Oh, JB, je pense qu'il n'est pas prêt à changer d'imprimante. Mais bon, en même temps, elle est très vieille. Hein, elle date de l'ancienne ordi. Donc, peut-être qu'il est temps de changer. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle commence à bien bugger. Enfin, voilà quoi. Bon, je vais m'affairer à tout ça. Là, on est le matin, il est 10h moins 20. Donc, ça va, ça a bien avancé quand même. Maintenant, c'est rangement, ménage. Bon, les courses sont faites pour la semaine. C'est cool. Mon vlog en ligne, j'ai vu, j'ai pu faire ma miniature et mettre mon petit truc de fin là où il y a mon abonnement et puis une vidéo à regarder si vous n'avez pas vu. Et j'ai mon chat, Charlie, viens mon bébé, il est un peu malade, il se sent pas bien, viens. Il a du mal à manger, enfin ça va un peu mieux maintenant, mais par exemple tout ce week-end et peut-être un peu avant, il n'était pas top top. Viens. On m'a envoyé mon bébé. Il mangeait pas trop. Hein. Il miaulait tout le temps et bizarrement, mais il s'est battu déjà, on a vu, parce qu'il a des griffes au niveau du front, là, juste au-dessus des yeux, qu'on a nettoyé et tout ça, mais ça va. Là, ça croûte bien et je pense que bientôt, il n'y aura plus du tout de croûte, parce que là, ça... Ouais, je... C'était juste ici, là. Et là, quand je touche, ça va, on dirait. Donc voilà, donc il reste beaucoup avec moi. Et je vérifie qu'il mange bien, parce que c'est important pour la santé des animaux de bien vérifier qu'il mange, parce que s'il ne mange pas, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais là, il est en train de reprendre du poil de la bête, ça fait plaisir. Moi, j'ai vu que Walking Dead, ça avait repris. Je vais pouvoir continuer la série. J'adore cette série. Donc là, j'ai rangé mes courses, je vais regarder ça tranquillement. Il est quelle heure là? Il est 14h30. On est bien. Franchement, on est bien. La journée avance tout tranquillement. Moi, c'était juste pour goûter. Et pour toi. Bon, j'ai récupéré mes petits loulous. Regardez-moi ça. Ils sont en pleine forme. Bon, la puce n'a pas dormi, mais elle n'a pas fait le boxon. Donc c'est bien. Amaury m'a dit qu'elle avait passé une bonne journée. Et ce petit Maxence qui est là-bas est déjà en pyjama. Il était trempé de la tête aux pieds. Ce petit bonhomme n'a pas vu que j'étais venue le chercher à l'école. Hein? Donc, il est école à maternelle et il était trempé, trempé, trempé. Donc là, il est en pyjama, comme ça, il est bien à l'aise et toutes les affaires vont au sale. Ah non, là, c'est la place à maman. C'est les petits brownies au chocolat. J'espère que dedans, c'est... non. Dessus? Ah non, je vais prendre le loulou. C'est ça? Le nounours? C'est ça? Oui, Une journée. On est en train de faire les devoirs de Maxence et regardez ce qu'il a comme devoir. Table de multiplication par 5. Il fait les premières multiplications, donc la plus simple par 5. C'est trop bien, je suis trop fière de lui. Le jardin. Donc dans son cahier de maths, il a
Hop, c'est où ? Écrit sa table de 5. Un objet. C'est trop bien, je suis trop fière de lui. Toujours. Et là, il est en train de faire sa lecture de mots. Et après, on va faire la dictée. Donc voilà, on est au retour des devoirs. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais c'est cool, on se retrouve notre petite habitude de semaine. Et Maxence ne rechigne pas trop, c'est bien. Et Amaury est trop content, il a été invité à un anniversaire. J'ai un copain et une copine, donc ils sont le même jour, donc ils fêtent toujours l'anniversaire ensemble. Gentil, et comme l'année dernière, ils l'ont invité. Gentil, gentil. Magique. Bon, allez, je m'occupe de mon petit loup. Bon, on se retrouve le soir. Ouf, le poivre est tombé. J'ai posé ma caméra juste à côté, j'ai dû faire un gros mouvement. Bon, ce soir, on mange la soupe. J'ai pris c'est un velouté poireau pommes de terre. Normalement, ça ira très bien, tout le monde va bien aimer. On a fait une bonne grosse quantité. Bonne casserole. JB, c'est malade, il est pas très très bien. Là, je crois qu'il s'est endormi dans le canapé. Tellement il est pas bien. C'est malheureux, mais bon. Des fois, ça arrive, hein, il y a les maladies. Il a, déjà la nuit dernière, il a mal dormi, il m'a dit. Et s'il dort pas bien cette nuit, demain, il va chez le médecin, il va prendre rendez-vous. Parce que bon, demain, il travaille pas. Donc, j'espère pour lui que c'est pas grand-chose, quoi. Surtout à l'heure actuelle. Mais bon, je pense que c'est pas grand-chose. J'ai pas pu imprimer les papiers que je voulais aussi, les photos là pour faire les cahiers des enfants. On trouve que des photocopieuses en fait, pas des imprimantes. Donc je pense que j'ai donné à JB, il imprimera au travail et puis voilà. Oui mon chat, et lui il est toujours raide, collé à maman. Il m'a pas lâché de la journée. Hein. Vraiment c'est un truc, truc de fou. Bon allez, on va passer à table. Les croutons, on va aller avec la petite soupe et le gruyère. Mmh. Oh.